Oui, bonsoir, c'est Ominga, et cet épisode est le numéro 2 d'une longue série qui n'a que 2 épisodes. Comment gérer la collection des scènes dans OBS? Voilà, alors tout d'abord, comme vous l'avez vu dans le... Je fais desquels? Dans le premier épisode, nous allons choisir tout en haut la collection de scènes ici, et vous allez la renommer ou faire une nouvelle que vous appelez dans le nom que vous souhaitez. Voilà. Une fois que vous avez fait cette collection de scènes, nous allons pouvoir attaquer l'interface. Vous avez ici les scènes, ici les sources, ici le mixeur audio, ici les transitions et leurs paramètres, et ici, on l'a déjà fait. Épisode 1, n'hésitez pas à aller le voir, salut. Alors, pour commencer, nous allons faire les scènes. Une scène, qu'est-ce que c'est? Je vais juste vous montrer quelque chose d'intéressant pour qu'on puisse travailler. C'est le mode studio. Il est là. Le mode studio vous permet d'avoir 2 scènes d'affiche en même temps. Celle-ci est la scène qui est record actuellement et c'est aussi la scène qui est visible en stream. Ici, c'est la scène que vous pouvez changer sans que ça impacte votre stream ni votre vidéo. Attention, le mode studio consomme pas mal sur le processeur et la carte graphique, donc pensez à le désactiver si vous l'utilisez pas. Et aussi, ça freeze quand c'est des vidéos ou des jeux et tout sur la scène de gauche, c'est freeze, c'est tout à fait normal. Voilà, je tiens juste à vous le préciser. Maintenant qu'on est là, je vais pouvoir travailler sur les scènes de gauche et vous laisser afficher la scène de droite parce que c'est celle où je suis. Sinon, à chaque fois que je vais bouger de scène, ça va m'effacer et vous n'allez plus me voir, vous allez juste m'entendre. Donc, clic droit, ajouter. Vous créez une scène, ok? Voilà, et vous la nommez comme vous voulez. Une fois que vous avez fait votre scène, vous allez pouvoir y ajouter des sources. Quel type de source vous pouvez ajouter? Je vous montre. Là, par exemple, ma scène de début, donc la scène quand j'arrive en stream. Vous avez un artwork, donc ça c'est l'artwork LDV, pardon, qui s'appelle Background. Donc c'est une image, hop. Enfin, c'est une vidéo, pardon. C'est une vidéo avec un timer. Vous voyez que Ominga ne s'enlève pas, c'est parce que Ominga c'est moi qui l'ai rajouté. Donc ça c'est une vidéo. Clic droit, ajouter source média. Source média c'est des vidéos. Ensuite vous ajoutez, vous faites ça, ok, et vous mettez fichier local, parcourir, et voilà. Et vous le trouvez, tout simplement. Vous pouvez changer la vitesse aussi de lecture. Voilà. Une fois que vous avez fait ça. Vous pouvez ajouter par exemple un texte. Le texte où il y a marqué Ominga ici, il est là. Vous voyez que je peux le cacher. Ce texte, il faut faire clic droit, ajouter texte GDI plus. Voilà, texte GDI plus. Dans sélectionner police, vous pouvez choisir votre police, votre style et votre taille, etc., etc. Là, vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez choisir un arrière-plan. Vous pouvez choisir, pardon. De mettre un contour, etc., etc. Vous pouvez faire plein de paramètres et ici vous tapez votre texte. Voilà, ça c'est pour le texte. Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre? Prime Music Video. C'est quand j'écoute de la musique. Tout simplement, c'est une capture de fenêtre qui s'appelle. Qui là marche pas, mais en gros c'est la fenêtre de Chrome quand j'écoute Prime Music, tout simplement. Là elle marche pas parce que j'ai pas Chrome d'ouvert, c'est pour ça. Mais donc vous voyez que c'est une simple fenêtre que j'ai crop. Voilà, et on peut l'afficher ou la cacher, peu importe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette scène d'intro? Alertbox. Alertbox, qu'est-ce que c'est? On va vous envoyer un lien Streamlabs. Là, je parle pour l'équipe LDV, si vous êtes juste un viewer random. C'est votre lien d'Alertbox quand vous avez un follow, un don, un sub, etc. Cette Alertbox, qu'est-ce que c'est? C'est ajouter un navigateur. Il est où? Navigateur. Vous l'ajoutez, hop, et là vous mettez le lien. Donc là actuellement il vous envoie vers un lien ça, donc c'est le lien Alertbox, c'est le lien OBS de base. Vous changez, vous mettez votre lien. Ensuite largeur, hauteur, vous pouvez laisser de base, c'est pas mal le sort de carré, enfin c'est un rectangle du coup, mais le rectangle qui est là pour l'Alertbox, ça suffit. Vous pouvez aussi ajouter un fichier local si votre lien est un fichier local. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le placer où vous voulez, et puis voilà. Je vais en profiter pour vous apprendre quelques binds qui sont très utiles sur OBS. Premier bind, si vous souhaitez cropper, donc rogner un bord d'une vidéo, vous restez appuyé sur le bouton Alt et clic gauche et ça crop. Alt, clic gauche, ça crop. Alt, clic gauche en diagonale, ça crop. Voilà.
Si vous souhaitez réduire une vidéo de manière proportionnelle, c'est de manière pas proportionnelle justement, pardon. Parce que regardez de base ce que ça fait. Là j'appuie sur rien, c'est only proportionnel. Même si je prends un côté, c'est proportionnel. Si vous voulez que ce ne soit pas proportionnel, si vous voulez étirer une image, ça peut être utile dans certains cas, je vous montrerai après pourquoi. C'est majuscule et clic gauche. Majuscule, clic gauche, je suis gros et gras, voilà. Tout simplement. Après, vous pouvez l'en mettre de base comme ça. Voilà. Ça, c'est pour une scène d'intro. Si vous voulez faire une scène d'attente, ma scène d'attente est celle-ci. Donc vous voyez, j'ai quelque chose, j'ai pas mal de trucs en plus. J'ai ma petite gueule. J'ai aussi le background qui est différent. Là, vous voyez que je n'ai plus le timer à gauche. Ça sert à rien, c'est une scène d'attente. Une scène d'attente, on veut pas le timer. Alors que par exemple, une scène d'intro, on veut pas notre gueule. Voilà les petites différences. On vous mettra les titres des artworks dans le dossier, dans le drive. Et pour les randoms, bah, vous faites ça, ou alors vous trouvez des backgrounds sur internet tout fait, où vous avez un pote graphiste. Voilà, donc les alert box toujours pareil, c'est les mêmes. D'ailleurs, quand vous ajoutez des trucs sur plusieurs scènes et que ce sont les mêmes, vous pouvez faire ajouter navigateur, il est où, je le perds, navigateur, ajouter une source existante et reprendre la même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Prime Music encore, je vais le virer. Overlay Discord. Overlay Discord, c'est un de mémoire, voilà, c'est un fichier. Zut, c'est un fichier. Un navigateur avec c'est un site internet qui gère ça, voilà, pardon, j'arrive pas à m'exprimer. C'est un site internet qui gère ça et qui vous envoie, en fonction de si vous êtes connecté dans le serveur et tout, des infos. Vous paramétrez ça sur le site et ça vous donne un lien, et vous avez plus qu'à ajouter ce lien et ça vous fait l'overlay Discord. Ça marche pas pour les confs perso, ça marche que pour les serveurs, donc c'est intéressant et vous pouvez le faire. Et voilà, et je vous donnerai le lien du disque, je vous donnerai le lien de ce site dans la description. Pause. Pause, c'est parce que j'écris un truc, je crois. Voilà, j'écris, j'arrive. C'est quand je suis en scène d'attente et que je vais faire pipi, je crois, je fais ça. Mais normalement, j'ai une scène de pause, hein, c'est parce que je suis un connard. Mais normalement, il y a une scène de pause. Regardez, elle est juste là. Hé hey, hé, voilà. D'ailleurs, je vais l'enlever. Allez, on l'enlève. Tous ensemble, on l'enlève. Supre, entrée, voilà. Bracket. Bracket, c'était quoi ça? C'était, bah, c'était une image, je vais pouvoir l'enlever. C'était quand on faisait des petits casts, on voulait afficher le bracket sur la scène, donc du coup, on avait ça. Caméra, c'est ma petite gueule. Alors, comment on fait pour ajouter une caméra? Vous allez dans ajouter périphérique de capture vidéo. Vous cliquez sur ça et vous choisissez la caméra. Là, je peux pas le faire parce que j'ai déjà une caméra qui est, j'ai déjà ma caméra qui est utilisée pour celle-là. Donc ça risque juste de bugger. Donc on va faire sur celle-là. Une fois que vous avez ajouté, vous choisissez votre caméra. Ensuite, vous choisissez, pardon, type de résolution personnalisée. Attention, ça va bugger. Parce que si vous mettez personnalisé et qu'ensuite vous mettez 1080, 30 fps et tout, ça risque de planter, c'est un peu de la merde. Donc, ce que je vous propose, c'est ici dans format vidéo, vous mettez le MJPEG. MJPEG. Une fois que vous avez mis ce format, là ça plante plus sur la caméra. Vous pouvez mettre votre résolution et votre ratio d'image par seconde. La couleur complète est 709, c'est pour avoir une belle couleur d'image. Je vous montre si je l'enlève. Hop, hop, bonjour, bonjour, c'est moi, je suis moche, et là, je suis d'une toute beauté, à dépasser les dieux. Voilà, une fois qu'on a fait ça, capturer l'audio uniquement, vous pouvez le mettre, de toute façon, on va le désactiver, on s'en fout. Voilà, la caméra, ce qui est intéressant à faire aussi, c'est clic droit, filtre. Si vous souhaitez ajouter, comme moi, un fond vert, ah, qu'il est moche, voilà, c'est ça, un fond vert. C'est clic droit, ajouter clé chromatique. Il est où? Chroma key, incrustation en par chrominance, c'est ça. Ensuite, vous paramétrez, vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà, voilà, et vous gérez tout ça. Moi, je l'ai mis comme ça, vous vous mettez les paramètres que vous voulez. Moi, vous voyez sur mon fond, en fonction de ma lumière et de mon fond, ça rend plutôt bien. Donc, j'ai fait ça. Rogner, pareil, je sais si je l'enlève. Ouais, voilà, vous voyez que j'ai rogné un peu le bord, parce qu'on voit un peu ma cuisine. Osef. Enfin, vous faites comme vous voulez, sinon, comme je vous ai expliqué, vous pouvez cropper, hein. Ta mère, le moustique. Sinon, comme je vous ai expliqué, vous pouvez cropper. Ominga, bah, c'est le pseudo, c'est pareil, vous faites ajouter texte et vous prenez un texte existant, c'est le même, toujours le même.
Waiting Scene, c'est la scène de fond, donc c'est une vidéo. Là, ça se voit pas parce que c'est buggé, mais si je vous repasse en mode Waiting Scene, vous voyez que c'est une vidéo. Les petits triangles ils bougent, le texte en haut il tourne, voilà, c'est une vidéo. Voilà, on verra pour le son après les amis, je vois qu'il y a marqué son ici, on fera ça après, on fait tout l'image. In-game, bon vous voyez qu'in-game c'est un peu le bordel, bordel. Moi je suis partisan du, j'ai une source pour les jeux avec un curseur et une source pour les jeux sans curseur. Vous pouvez faire une seule source pour tous les jeux, en vrai on s'en fout. Comment on fait plus, ou alors clic droit ajouter. Et là vous faites capture de jeu. Voilà, capture de jeu, ok. Et là, moi ce que je fais, c'est qu'au lieu de prendre n'importe quelle fenêtre en plein écran, parce que ça bug si vous faites des alt-tabs, etc. Ou si vous jouez en fenêtré, enfin en borderless et tout, c'est chiant. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais une capture de fenêtre spécifique. Et ensuite, je mets le nom de la fenêtre et le jeu en même temps, qui est affiché. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez voilà ici choisir capturer le curseur ou pas. Par exemple, sur Counter-Strike, on n'a pas envie d'avoir le gros curseur moche au milieu de la croix du crosshair. Donc, on l'enlève. C'est pour ça que j'ai deux sources. J'ai une source avec curseur, une source sans curseur. Vous pouvez très bien avoir une seule source, et à chaque fois que vous changez le jeu ici, vous changez aussi le curseur. C'est juste que moi, j'avais pas le réflexe de le faire, donc je l'ai pas fait directement. Voilà, vitesse de capture normale et tout. Ça, c'est comment on capture un jeu. Un truc important à savoir, quand vous êtes dans vos sources ici, le plus en haut de la liste, c'est ce qui est le plus au premier plan dans vos scènes. Donc, quand vous ajoutez une scène, ça va aller toujours en haut. Faites gaffe à bien la mettre plus en bas, selon ce que c'est. Par exemple, un background. Je vais vous montrer la différence. Si j'enlève ma capture d'écran, vous voyez que j'ai un background ici. Ça, c'est très utile. C'est pour ça que je l'ai appelé scène de pause. Je suis un enculé. Normalement, c'est smart background. Parce que, en fait, quand vous lancez un jeu, le temps qu'il se lance, ça fait souvent des black screens sur les streams. Et donc, pour pas que ça fasse ça, vous mettez un arrière-plan, comme ça, de ce style, par exemple. Ce qui fait que vos viewers, ils ont toujours ça. Et puis, dès que le jeu se lance, hop, ils ont le jeu. Comment je fais pour avoir ça? Je mets le background en bas et je mets le jeu au-dessus dans la liste. Ce qui fait que si jamais, à un moment donné, j'ai un jeu, hop, il va venir par-dessus. Et s'il s'enlève, il y a ça. C'est parfait, hein? Oh, trop malin. Donc ça, c'est pour la capture de jeu Chrome. C'est quand j'utilise Google Chrome et tout. Bon, je pourrais les enlever, c'est des trucs qui servent à rien pour l'instant. Chrome, on peut l'enlever. Ça, c'est Hearthstone Deck Tracker. Donc ça, c'est une capture de fenêtre. Hop. Vous voyez, capture de fenêtre pour Dwarf. Il y a certains jeux qui bug, genre par exemple Dwarf, où j'avais ROE, c'est Ring of Elysium. Voilà, il y a certains jeux qui bug, que tu dois capturer soit en plein écran, soit en capture de fenêtre, parce que les jeux, ils sont codés avec le cul. Mais normalement, les trois quarts des jeux, vous faites un capture de jeu et ça marche très bien. Voilà. Donc ça, c'est pour la capture de fenêtre. Je l'enlève parce qu'en fait c'est exactement ROE. Voilà à quoi elle ressemble. Ouais, voilà, plus d'arrière-plan, ça fait mal aux yeux. Hein. Voilà, vous choisissez votre screen. Moi j'en ai qu'un, je suis un connard. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? La caméra. La caméra, je vous conseille de faire ajouter une caméra existante. Enfin, là, ici. Périphérique capture vidéo. Hop, ajouter une source existante et vous prenez la caméra. Comme ça, il y a déjà tous les filtres et tout qui sont préparés. C'est parfait. Ensuite, quand vous êtes sur le tableau, vous voyez que vous pouvez cliquer et déplacer. Voilà, cliquer sur la caméra, la déplacer et tout. Voilà, vous pouvez tout faire là-dessus. Si vous n'avez pas envie que sur un misplay, par exemple, ça bouge, exemple, l'alert box qui est située ici, j'ai pas envie de la déplacer parce qu'elle est très bien placée ici. Et je l'ai fait avec une règle et un compas. Donc, vous appuyez sur le petit cadenas ici. Ce qui fait que je peux plus cliquer sur l'alert box là. Elle est lock. Elle pourra plus jamais bouger. À part si je la délock ici. Voilà. Et quand j'appuie sur l'œil, ça affiche ou cache la scène. Attention, si vous faites ça sur une source. Si vous faites ça sur une source sonore, si je cache la source sonore, on m'entend plus. Eh ouais. Voilà. Scène de pause, voilà quoi elle ressemble. Une scène tranquillou. Avec juste un petit texte défilant, voilà, qui est ici et qui s'appelle pause. Tout simplement,
Pour ajouter un texte défilant, il suffit de faire clic droit, filtre, défilement, et vous mettez votre vitesse. Hop, oui, hop, oui. Voilà, j'avais mis 15. Voilà à quoi ça ressemble, un texte défilant. Voilà comment on fait. Chrono, c'est un logiciel que j'utilise. Je sais même plus comment il s'appelle, parce que ça fait 1 à 3 mois que j'ai pas stream. Le logiciel s'appelle SNAZ. C'est un logiciel pour mettre des chronos. C'est stylé, regardez par exemple. On va lancer SNAZ, attention, ouvre-toi. Il est là. Bonjour SNAZ. Je vais dans chrono, down 10 minutes, start. Yes, et voilà, le chrono s'affiche là. Comment j'ai fait ? Sur SNAZ, j'ai mis le je vais dans chrono, je le setup, chrono down. Ça, c'est le message qui s'affiche à la fin quand le chrono est terminé. Et vous mettez un fichier texte ici. Ce fichier texte, vous le copie, paste au clipboard. Et ensuite, vous créez un texte GDI+. Et ce texte GDI+, vous mettez lire à partir d'un fichier. Ici, vous cliquez sur ça. Ensuite, vous mettez votre lien. Et ensuite, vous pouvez changer la calligraphie, la couleur et compagnie. Et voilà, et ça s'affiche là. Ça, c'est parfait pour les chronos. Sachant que pour la scène de début, les potes, il y a déjà un chrono d'affiché ici. Donc, ne le rajoutez pas. Voilà pour les chronos. Top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, c'est bon. Je reviens. Puis, c'est quoi ? C'est des textes. Début du cast dans... Ah ouais, et du coup, il y avait le chrono juste après. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter de plus. Ah, là j'ai oublié le son. De toute façon, il n'y a pas besoin. Si, il y a besoin du son ici. Et vous savez quoi ? On va faire le son ensemble. Donc, une fois que vous avez ajouté vos scènes, etc., que vous avez mis toutes vos sources, images, il faut ajouter le son. Parce que si vous avez suivi comme il faut les paramètres d'OBS, tuto numéro 1, vous devez ajouter du son à la main. Parce que le mixeur, il va être vide, techniquement. S'il n'est pas vide, c'est normal, je vous montre. Hop là. C'est parce que vous avez des caméras ou des vidéos d'affichés. Par exemple, la scène, c'est une vidéo, la caméra, ça fait du son aussi. Hop, ils y sont. Ce que je vous conseille, c'est vous les muter en bas. Clic droit, masquer. Clic droit, masquer. Et voilà, et on masque tout. Tout ce qui est mute, on masque, on s'en fout. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un capture de audio entrée. C'est pour le micro. Capture de audio sortie, c'est pour votre son. De jeu, de Windows, de machin. C'est pour votre son basique. Prochain tuto, c'est comment utiliser VoiceMeeter. C'est une table de mixage et c'est avec ça qu'on va gérer tout le son de notre stream. Donc on va avoir une seule source sonore pour le Discord, le jeu, le Windows, la voix, le micro, tout. Tout sera utilisé par... Enfin, tout sera géré par VoiceMeeter. Donc sur OBS, ce qu'on a à faire, c'est capture audio entrée. Créer une nouvelle source, donc moi elle s'appelle son. Ok, et vous choisissez VoiceMeeter auxiliaire output. Voilà, c'est pour le son. Une fois que vous avez choisi ça, ça va être parfait. Du coup, moi je vais ajouter celle qui est déjà faite. C'est une entrée, hein, évidemment. Et voilà, vous la mettez tout en bas parce que c'est du son. Comme ça, on sait que dès qu'il y a quelque chose qui est en bas, c'est le son. Enfin, le truc le plus en bas, c'est toujours le son. Et voilà. On n'ajoute pas de filtre parce qu'on va les gérer avec la table de mixage. Si vous n'utilisez pas la table de mixage, vous pouvez gérer en utilisant des filtres. Et vous avez par exemple des compresseurs ou alors des gains, des noise gate. Les gains, c'est pour réduire un petit peu les bruits de fond. Noise gate, c'est pour carrément cut quand il n'y a pas de bruit. Bah, du coup, ça cut le son pour éviter qu'il y ait un bruit de fond dégueulasse. Et le compresseur, c'est pour quand vous criez, ça évite que ça détruise les oreilles de vos viewers. Voilà, et suppression de bruit, voilà. Il y a un truc suppression de bruit qui est un petit peu mieux fait que le gain. Le gain, my bad, c'est pas pour le bruit, le gain, c'est pour la distance à laquelle vous êtes de votre micro. Si par exemple, vous êtes très proche de votre micro, vous allez mettre un très faible gain, ce qui fait que ça va détecter... un gain très élevé, ce qui fait que ça va pas détecter les sons derrière, ça va détecter que les sons très proches. Si vous mettez un gain faible, alors du coup, ça va détecter dans une grande zone autour de vous. Donc le micro est proche, gain élevé. Le micro est loin, gain faible. Tout simplement. Si vous avez maman qui cuisine des pâtes à la carbonara dans la cuisine d'à côté, si vous voulez pas qu'on entende sur votre stream, pendant qu'elle fait ses pâtes, on met un gain faible. Élevé. Putain, je suis un connard. Voilà. Sur ce, donc on a fait le son, on a fait les scènes, les sources. Il reste plus qu'un truc, c'est les transitions de scène. Transitions de scène, ma mène.
Alors, pour l'instant, laissé en fondu, c'est très sympa. Regardez, quand je switch de scène, bon, ça se voit pas ici. Je vais le faire sans le mode studio. Quand je switch de scène, bonjour, bonjour, je suis en fondu de 300 millisecondes, bonjour. On va vous proposer chez LDV des stingers. Notre meilleur graphiste est en train de travailler dessus. Un stinger, qu'est-ce que c'est? Un stinger, c'est ça. Bonjour. Bonjour, je suis une transition de Noël. Voilà, c'est mon stinger Noël. Bonjour. Oui. Oui, bonjour, c'est moi, Noël. Voilà, un stinger, propriété. Et vous, et boum, vous mettez des propriétés là. Comment ça se passe? Vous mettez le lien de votre stinger. Soit le lien internet, comme là. Soit alors le lien vidéo, donc MP4, sur votre ordi. Type de transition, vous mettez durée en millisecondes. Et point de transition, c'est l'instant à laquelle le logiciel va switch d'une scène à l'autre. Vous voyez que là, c'est 1000 millisecondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma transition, elle dure 2 secondes. Et que, en gros, au bout d'une seconde, tout l'écran est rempli par mon stinger. Donc, c'est là où on switch. Regardez, je vous montre vite fait. Si je splash ça, par exemple, à 200 millisecondes, donc à 0,2 secondes, regardez ce que ça fait. Bonjour, je switch avant que le stinger apparaisse. Regarde. Bonjour, je switch avant que le stinger apparaisse. C'est de la merde. Du coup, il faut bien choisir en fonction de votre stinger. Bon, pour celui-là, c'est 1000. Peut-être que pour le stinger de notre meilleur graphiste, ce sera différent. Voilà comment ça marche. On a tout vu. C'était les scènes, les sources, le mixeur audio et les transitions de scène. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tutoriel. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour le tutoriel Voice Meter Potato, parce qu'il est mieux que Banana. Et c'était Ominga, et je vous dis à la prochaine en direct de Twitch Game. Non, pas du tout, en direct de YouTube. Bisous. Salut les potes.